Laïa, Laïa, viens ma fille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On excusera ma tête de déterré, mais aujourd'hui vous me voyez dans la réalité comment je suis au réveil. Je vous retrouve pour une matinée dans ma peau, non pas pour une après-midi ni pour une journée complète, tout simplement parce que je travaille soit du matin soit de l'après-midi. On est samedi, je travaille d'après-midi. Et aujourd'hui nous allons devoir nous muscler les bras puisque ce matin je vais recevoir 120 bottes de foin. 120 bottes de 15 kg qui équivaut à 1,8 tonne de foin qui va arriver pour les loulous. Voilà, je me prépare d'avance mes petites réserves de nourriture, comme ça pour l'hiver on est paré, on peut commencer tranquillement. Mais aujourd'hui j'aimerais également travailler Bilbao parce que le souci c'est que moi et mon organisation je suis égale à zéro. À chaque fois je me dis aujourd'hui je vais le travailler, sauf que quand j'y vais, eh bien je reste avec eux, je les gratouille, voilà, je passe du bon moment avec eux, mais je ne les travaille pas. Il faut absolument que je me fasse une organisation. J'ai le planner en plus de The Horse Rider qui me permet du coup de planifier tout ça, mais je ne le remplis jamais. Il va vraiment falloir que je le fasse parce que Bilbao il commence vraiment à être bien rondelé. En ce qui concerne son panier, j'ai totalement arrêté mes recherches parce que ça fait deux paniers que j'achète, deux paniers qui sont trop grands pour lui. Le souci maintenant c'est que dans le parc l'herbe n'est plus assez haute, donc voilà, il ne sert plus à rien que j'en achète. Donc pour le moment ils vont rester dans le parc où ils sont. L'herbe commence petit à petit à diminuer, mais eux tous les trois sont déjà bien rondelés, donc ça permettra qu'ils puissent continuer un peu à manger mais diminuer un peu leur superficie de bidon pour qu'ils puissent passer après dans l'autre parc. L'autre parc on va un peu débroussailler pour enlever un peu la quantité d'herbe pour ne pas que les trois me chopent une fourbure, et notamment pour Bilbao. Mais voilà, les deux filles sont déjà bien rondelettes aussi, donc ça ne dérangera pas que je coupe un peu l'herbe dans l'autre parc. Mais du coup tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je travaille Bilbao pour lui permettre de perdre un peu du poids. Mais voilà un peu le programme de la matinée, j'espère que je vais pouvoir faire tout ça tranquillement, et du coup bah je vous emmène avec moi comme à chaque fois. Donc on est parti. Bon, je suis déjà arrivée. Alors la personne qui est pas du tout logique, quand je l'avais appelée hier, elle m'avait dit je vous envoie un message quand je pars. Oui. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu qu'elle parte, qu'elle m'envoie le message pour partir, pour pouvoir aussi démarrer, comme ça on arrivait en même temps. Et puis voilà, j'étais en train de promener Laïa pour lui faire son petit pipi avant de prendre la route, et là il m'envoie un message: bonjour, j'arrive. Quand on dit j'arrive, la signification du mot j'arrive c'est que il est bientôt là. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je commence à prendre la voiture, je roule comme une tarée pour arriver à l'heure. Je suis à 5 minutes du lieu, il m'appelle en me disant c'est pour savoir si vous avez reçu mon message, je vais partir.
pourquoi tu dis j'arrive alors si tu vas seulement partir? Du coup bah, je suis arrivée en avance, tant mieux, moi j'ai le temps de préparer les lieux pour qu'on puisse mettre les bottes. Bon, bien évidemment il n'y aura pas assez de place ici pour mettre 120 bottes, du coup je voulais les mettre également ici. Je ne sais pas si je vais les mettre là ou si justement l'endroit que je n'utilise plus, c'est-à-dire cet endroit-là, on va l'utiliser pour stocker le reste du foin. On va voir, je suis désolée, je suis avec le soleil qui est derrière moi, bah ça fait un contre-jour. Du coup vous me voyez presque pas, mais bon, on va préparer tout ça, il va pas tarder à arriver. J'ai mon papa qui va également venir pour me donner un petit coup de main parce que c'est pas avec ses petits bras là, hein. Vous avez vu ça, qu'on va faire énormément de choses, donc voilà, nous sommes partis. The next day. On se retrouve le lendemain. Oui, c'était pas prévu, mais j'avais plus de batterie. Voilà, je pensais que ma batterie était pleine, or ce ne fut pas le cas. Et après avoir déchargé le foin et l'avoir rangé, eh bien l'appareil il s'est endormi. Donc voilà, après je suis partie travailler et quand je suis rentrée, bah voilà quoi, j'allais pas revenir ici pour continuer la vidéo. Donc on se retrouve le lendemain. J'ai déjà mon petit bébé avec moi. Bonjour mon chéri, mon cœur. Et bah on est parti pour la séance. Il fait moins chaud qu'hier, mais il fait quand même lourd. Mais au moins je suis contente. J'ai tout le foin qui est stocké à l'abri, qui est prêt pour cet hiver. Attendez, oh, toujours avec les contre-jours et tout. Voilà, j'ai tout mon foin qui est rangé. Et vu qu'on n'avait pas de place pour mettre dans les deux box, parce que bah du coup du côté où il y a la sellerie, bah, je garde quand même de l'espace pour pouvoir rentrer dedans. Et bien on a mis le reste du foin ici. Il y a une dizaine de bottes dans l'endroit qui de base ne devait plus servir. Mais du coup voilà, donc je suis contente, il me reste plus que de la paille à trouver et je serai parée pour cet hiver. Mister Bibi, on va lui faire une petite séance de longe et on va le faire un tout petit peu sauter aujourd'hui. Voilà, ça va rien être d'extraordinaire, ça va être des tout petits sauts, mais simplement voilà pour le faire bouger le coco quoi, voilà. Je vous retrouve en voix off comme à chaque fois que je travaille un de mes poneys, bon plus particulièrement Bilbao en ce moment, mais justement pour pouvoir vous expliquer comment s'est déroulé le travail. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir enfin vous présenter une séance de travail correcte où tout se déroule totalement bien, parce que encore cette fois-ci il y a eu un petit souci. J'ai eu un Bilbao mais qui était mais énergique comme je ne sais pas quoi. Je n'arrivais pas à le canaliser, à le mettre au pas, et afin de commencer tranquillement la longe au pas pour ensuite passer avec des transitions au trot, etc. Il était vraiment mais une pile électrique. Clairement je n'arrivais pas, il voulait pas s'arrêter. Dès que je demandais le pas, et eh bien monsieur en profitait pour essayer de manger l'herbe. Donc je sais, c'est pas un environnement qui lui est favorable, qui l'aide à se concentrer comme il faut, mais malgré ça je n'arrivais pas. Clairement il voulait que trotter, que galoper. Donc au bout d'un moment j'ai pris la décision de le laisser galoper, le laisser trotter afin qu'il s'essouffle un petit peu pour pouvoir ensuite lui demander tranquillement ce que je voulais faire. Là vous avez vu, je n'ai plus le stick parce que je n'ai pas encore acheté de chambrière, mais j'ai pris pour le moment un stick comme vous me l'avez conseillé. Cependant bah, le stick, je crois que ça accentue beaucoup trop mes demandes et du coup Bilbao ne le comprend pas et du coup part trop vite au trot et ne veut plus retourner au pas. Donc j'ai pris la décision de ne plus le prendre, et c'est à ce moment là que j'ai pu avoir
quelque chose de plus ou moins correct. Mais du coup, la séance s'est arrêtée sur ça parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le canaliser. Là, vous avez que quelques secondes, mais voilà, ça a duré plus de 10-15 minutes. Bon, au final, je ne vais pas faire sauter Bilbao aujourd'hui. Simplement, le longer a été très très compliqué. Il a un pétocasque, hein, il a du gaz. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à le canaliser. Au bout d'un moment, je l'ai fait trotter, galoper pour qu'il se calme. Ce qui n'était pas du tout apte à écouter ma voix. Donc, je l'ai fait un peu trotter. Il voulait trotter, il voulait galoper. Pas de souci, tu vas trotter, tu vas galoper, mais tu vas t'arrêter seulement quand moi j'aurais décidé que tu pouvais t'arrêter. Du coup, bah, monsieur est un peu beaucoup essoufflé, mais c'est après que j'ai pu obtenir ce que je voulais de base, juste longer tranquillement et après partir sur un peu de saut. Mais voilà, on s'arrête simplement sur de la longe. Voilà, c'est très difficile avec Bilbao. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas du tout les compétences ou si c'est Bilbao qui est très compliqué à canaliser, à travailler en lui-même, hein. Mais oui, il a du bon ce petit poney, mais parfois il est un peu compliqué. Et le souci, c'est que j'ai envie qu'il prenne des grands cercles. Parce que vous êtes nombreux à me dire, oui, il est sur des tout petits cercles, c'est pas bon. Mais j'essaye tout le temps de le mettre sur des grands cercles. Mais c'est lui. C'est lui qui ne veut pas aller sur des grands cercles, il préfère des plus petits cercles. Et j'ai beau essayer de le pousser à aller plus loin, eh bien, bah, il veut pas, quoi. Il veut pas, je ne sais pas ce que je peux faire pour l'inciter à aller plus loin et justement faire des plus grands ronds et non pas des trop petits qui sont pas forcément bons pour ses membres. Mais voilà, 1, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Oh là là. Alors là, vous allez voir. Vous allez voir, monsieur Bibi a du mal à se relever. Oh le menteur! Normalement il galère. Bon, bah c'est que t'as déjà perdu un peu. Je suis désolée si en ce moment vous voyez qu'il y a moins de vidéos. C'est normal. Je m'épuise un peu à cause du boulot. C'est qui se roule? Vous allez voir, attendez. Est-ce qu'il va arriver à se relever le doudou? Il reste sur le dos, le pauvre. Ah non, là, il arrive à se relever. Non, j'ai fait un peu moins de vidéos en ce moment parce que avec le boulot, je commence un peu à épuiser. Je suis fatiguée, la chaleur me tue rapidement. Donc vu que je suis en vacances à partir du 4 juillet, je me suis dit jusque là, bah, je redescends à une vidéo par semaine. Et quand je serai en vacances, bah, je pourrai beaucoup plus me consacrer à YouTube. Donc je reprendrai les deux vidéos par semaine, voire peut-être des petits bonus, je ne sais pas. Mais voilà. C'est normal, j'ai décidé de repasser à une vidéo pour pas me surcharger de travail et pour vous continuer à faire un bon contenu. Parce que si je me force à faire deux vidéos par semaine, je sais très bien que le travail sera bâclé. Et ce n'est point mon but. Du coup, voilà, je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve, bah, dans une prochaine. Salut !